Stefano Maria Legnani, dit le Legnanino, 1661-1700. Ce bref documentaire, qui montre, entre autres, des images historiques inédites, veut être une célébration du peintre de Saronno à l'occasion du 300e anniversaire de sa mort. On vous montrera en particulier les œuvres présentées dans la bibliothèque de Saronno, des propriétés de la municipalité de Saronno, qui présente les mythes Bacchus et Ariane en quatre grandes toiles. L'étoile du palais Morandi. Probablement environ en 1700, Stefano Maria Legnani peint les quatre toiles qui adornent les salons du palais Calderara Brambilla, rue Torino à Milan. Les tableaux sont donc l'œuvre de la pleine maturité de l'artiste. Le bâtiment fut ruineusement bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais les quatre peintures furent heureusement sauvées. La municipalité de Saronno les acheta en 1987 et, après une restauration appropriée, elles furent placées dans la salle de lecture de la bibliothèque municipale. Deux tableaux, les plus longs, mesurent 10 mètres. Les plus courts mesurent 7,60 mètres de long et 1,80 mètres de haut. Le cycle représente en quatre séquences continues l'histoire mythologique de Bacchus et Ariane, tirée du livre 8 de Métamorphose d'Ovide. Le mythe de Bacchus et Ariane est raconté en différentes versions. Dans l'une, on compte que Ariane tomba amoureuse de Thésée quand il arriva en Crète pour tuer le Minotaure dans le labyrinthe. Ariane donna à Thésée une pelote de laine pour marquer le chemin parcouru dans le labyrinthe et donc pouvoir en sortir facilement. Ariane s'enfuit avec les Athéniens et lui vers Athènes, mais Thésée les fit endormir et puis l'abandonna sur l'île de Naxos. De toute façon, pendant leur passion secrète, Ariane conçut des enfants du héros Thésée, Démophonte et Staphylo. Dans une autre version, en se réveillant, Ariane vit le bateau de Thésée s'éloigner, mais la douleur de l'abandon court durée car Dionyse arriva sur un char tiré par des panthères et, après l'avoir connu, il voulut l'épouser. Selon une troisième version, ce fut le dieu même a ordonné à Thésée d'abandonner Ariane afin de la prendre pour femme. Quatre enfants naquirent de leur union. Pour le mariage, Dionyse fit cadeau à Ariane d'une diadème en or qui, lancée dans le ciel, forma la constellation de la couronne boréale. Les différentes versions ont en commun la conduite mesquine de Thésée, qui nous paraît inexplicable. Il semble donc qu'une partie du mythe originaire se soit perdue.
Dans le premier tableau, on voit Ariane endormie, abandonnée par le héros Thésée. Dans le deuxième tableau, Bacchus surprend la jeune fille sur l'île de Naxos. Dans la troisième scène, Bacchus demande à Vénus la permission d'épouser la jeune fille dans le dernier tableau. Le mariage de Bacchus et Ariane à la présence de Vénus et Héros. Gracieux, le dessin des scènes, peint pour l'habitué chromatisme lumineux, et resplendissant de la palette du Legnani. Biographie synthétique. Stefano Maria Legnani, dit le Legnanino, 1661-1713. 1661, il naît à Milan le 6 avril. Son père Ambrogio et son grand-père Tommaso sont des peintres eux aussi. Intervention dans l'église San Francesco à Saronno. 1681-1683, il est à Bologne chez le peintre Cignani. 1686, il est à Rome, élève du Maratta. 1687, il peint le couronnement de la Vierge dans l'église Sant'Angelo à Milan. 1690, il travaille dans le Dôme de Monza. 1691, il peint l'apparition de l'ange à Sainte-Élisabeth et l'imposition du nom de Jean dans le sanctuaire de Saronno. Dans l'église San Pietro e Paolo, à Saronno, tableau de Saint Ambroise,
Il peint dans l'église paroissiale Madonna del Rosario et dans San Cosma e Damiano a Oboldo. 1692, il peint à Novara l'église San Gaudenzio. 1694, il peint la voûte de la chapelle de marchands et banquiers à Turin. 1696, il travaille au palais Carignano à Turin. 1697, il peint les fresques de l'église San Giacomo à Saronno. 1698, il peint dans l'église de l'Incoronata à Lodi. 1700 environ, il peint les toiles avec les histoires de Bacchus et Ariane pour la maison Calderara à Milan. 1707, il peint le retable de la Victoire pour la ville de Turin. 1708-1710, environ, il peint la porte du tabernacle dans le sanctuaire de Saronno. 1712, selon le Ratti, il est actif à Gênes dans l'église de San Filippo. 1713, il meurt à Milan le 4 mai. Il est enterré dans l'église de Sant'Angelo.